Salut tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai un énorme carton devant moi. Alors, c'est une high-tech box Deadpool. Donc j'ai commandé ça. Alors c'est une vieille box, elle date un peu, je crois qu'elle est de août ou septembre, je ne sais plus exactement, mais bon. Donc c'est une high-tech box spéciale Deadpool. Alors, bon, c'est juste un énorme carton, hein. Alors je l'ai déjà ouvert pour une fois, enfin ouvert vite fait pour voir ce que c'était, parce que je savais pas ce que c'était en fait, mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y a dedans, donc on va voir ensemble un peu ce qu'il y a là-dedans. Et on commence par un énorme machin. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Allez hop. Oh putain, faut que j'enlève le carton parce que sinon vous allez rien voir. Allez, un paillasson. Un paillasson Deadpool. Donc, wipe your feet, I like feeling dirty Deadpool. Donc, essuie tes pieds. J'aime bien me sentir sale. Deadpool crado, enfin voilà. On va dire en gros, ça doit être la traduction. Bon, bah, un paillasson. Pour accueillir les potes. On continue. Ouais. Du papier. Alors, faut savoir que ça coûte 44-45 euros, il me semble. Donc il devrait y avoir normalement, voilà, principe des box toujours par rapport au prix qu'on paye, en gros le double en valeur de produits dedans. Donc on va compter qu'il doit y avoir 85, 90 euros environ de produits là-dedans. Donc on a un paillasson. Ensuite, eh ben, un t-shirt. Je crois que je vais laisser le côté le carton. Donc Marvel Collection. Ouais, il est plutôt stylé celui-là. Donc bon, comme d'hab, hein, enfin comme la dernière fois. Voilà donc le t-shirt Deadpool. Alors c'est une page de comics, hein. C'est plutôt sympa. Hein. Bon, je suis fan de Deadpool, donc forcément, je vais aimer tout ce qu'il y a là-dedans. Allez. Ah putain, c'est con, il y a la boîte qui est pliée. Ah putain, il y a des plis dedans. Chier. On va essayer de le repasser. Hein. Le petit poster Deadpool. Alors celui-là, franchement, il est plutôt stylé. Hein. Alors, c'est con qu'il y a des plis dedans. Hein. Mais franchement, il est stylé celui-là. Et tout simple, mais franchement, j'aime bien. Quoi. Ah, bah ça devait être le... Ouais. C'est le truc qui doit aller avec le tapis. Hein. Et donc, une Q-Fig Loot Crate exclusive Deadpool. Oh, bordel. Ah, est plutôt stylée celle-là. Hein. Moi, j'aime bien. Bon, alors, il y a le petit logo Deadpool au fond. Ah, toujours le scotch sur le côté. Ah, il est sympa lui. Ah, il se fait éjecter par une explosion. Alors bon, on a les flammes, la fumée, voilà, de l'explosion. Et puis Deadpool qui est en train de se faire éjecter comme ça avec les petits effets de transparence dans les flammes. Ah mais franchement, c'est plutôt stylé, hein. Et ça change des pop, hein, parce que franchement, les Q-Fig. Ces figurines, elles sont vraiment toujours bien stylées, quoi. Et puis, bah, il me reste forcément l'indémodable Pop. Ah, c'est une Pop Bubblehead. Sors de là, toi.
Alors bon, évidemment, il y a toujours possibilité d'avoir plusieurs modèles. Et donc, moi, j'ai hérité de Deadpool, apparemment, qui va se coucher. Donc, avec son petit peignoir, ses petits chaussons licorne et son petit doudou panda. Deadpool, le seul super-héros avec qui tu peux faire ce genre de conneries, quoi. Moi, je l'aime bien. Il y avait quoi encore? Il y avait Deadpool sirène, Deadpool clown, Chicken Deadpool. Ouais, bah c'est Bedtime Deadpool. Ouais, Bedtime Deadpool, donc Deadpool qui va se coucher. Avec le petit logo Deadpool sur le peignoir. Voilà, donc le contenu de cette box. En bas, le tapis, je sais pas trop ce que je vais en faire. Le poster, je vais essayer de sortir le pli au maximum. Le t-shirt, franchement, j'aime bien. En plus, en blanc, ça change. La petite Deadpool Pop Bubblehead, c'est plutôt rigolo. Alors, celle que j'adore vraiment, pour le coup, c'est la Q-Fig. Voilà, n'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous aimez dans cette boîte, ce que vous en avez pensé. Est-ce que d'après vous, ça vaut le prix ou pas? Pour moi, c'est... oui, plus ou moins, quoi. Bon, bah moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!